Coucou à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog, il fait super beau dehors et ça m'a donné envie de me remaquiller un petit peu. Voilà. Donc moi aujourd'hui j'ai du boulot, alors je file. Bon, là je vais dans ma voiture, je vais travailler un petit peu pour mes montages vidéo parce que chez moi je peux pas. Soit il y a du bruit ou soit les enfants dorment. Donc niveau montage, je sais pas comment m'organiser, donc en fait je fais mes montages vidéo dans ma voiture. Voilà. C'est galère, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Voilà, donc là j'ai terminé mes montages. J'avais pris énormément de retard parce qu'en ce moment je fais des montages pour YouTube et pour TikTok aussi. Du coup, parce que j'ai un petit défi TikTok. Donc voilà, j'ai doublement de travail à faire et j'avais pris énormément de retard. Et là, c'est bon, je vais pouvoir rentrer de nouveau et boire un coup. Parce que c'est le printemps, il fait super beau et moi je suis en pull et il fait chaud quoi. Donc c'est bon, je rentre et je bois. Bon, j'ai bien rattrapé le retard des vidéos. En fait, j'ai fait 3 heures de montage. Donc il est déjà 15 heures. Donc voilà, j'ai hâte d'être ce soir parce que je vais au sport. C'est ma réjouissance en fait. De ma journée, ma récompense. Je suis trop contente. Coucou! Donc une nouvelle story pour vous dire que je vous raconte ma vie carrément. Mais j'ai déposé Alessio à la crèche à 8h. Ensuite, je suis retournée chez moi. J'ai trié le dernier placard du rangement de printemps de la cuisine. Et là, j'ai tout fait propre. J'ai rangé mon lave-vaisselle, tout. J'ai emmené Léo à la crèche. Et là, je retourne à la maison me préparer parce que c'est qui a coach sportif ce matin? C'est moi! Voilà. Donc, j'ai 1 heure de coach. Donc, voilà, on va faire 1 heure intensif. Ça va être chouette. Bisous, bonne journée à vous. Rectification, j'ai emmené Alessio à l'école, pas à la crèche. Hein. Bien sûr, c'est Léo qui va à la crèche, mais Alessio à l'école. Voilà, non, mais j'ai plein de confusion ce matin. Pas mal de confusion. Ça fait déjà 3 fois que je me trompe, alors que j'ai pas d'habitude, je réfléchis, mais là, je me trompe. Bref, c'est pas grave. Voilà, donc j'ai eu le temps de me préparer. Tac, j'ai eu le temps de ranger le placard du bas, donc je peux dire que ma cuisine. Est trié et rangé pour le nettoyage de printemps. Ça, c'est fait. Ouf! Voilà. Là, je vais éteindre. Du coup, j'ai plus besoin. Mon programme, j'ai une liste. C'est que il faut absolument que je m'épile les sourcils, mes repousses, parce que j'ai le tatouage permanent. Mais ça repousse. Donc là, il faut absolument que je fasse ça. Et il faut aussi que je tourne ma vidéo Chine. Voilà, j'ai reçu 2 gros cartons de Chine. Donc, il faut que je tourne cette vidéo. Mais je ne sais pas si ce sera possible aujourd'hui. Mais il faut que j'ai des impératifs, quoi. Il faut que je travaille, en fait. Et voilà, il faut absolument que je tourne cette vidéo et que je me fasse les sourcils. Donc là, il est écart. Et dans 5 minutes, je commence à aller à la salle parce que j'ai coach tout à l'heure, coach sportif. Donc voilà, je suis en tenue de sport et voilà, j'ai le rendez-vous avec mon coach. J'ai aussi rangé mon salon enfin parce que voilà, il y avait plein de jouets. Donc avant de partir, ils ont le chic de me déballer tout. Donc j'ai rangé. Va falloir aussi que je dépende le linge. Enfin bref, j'ai beaucoup de boulot, hein. Donc là, il faut que je me magne parce que je sors du coach et il est 11h et il faut que je fasse le repas parce qu'à 11h20, je dois partir chercher Alessio à l'école. Donc là, je suis en train de faire chauffer de l'eau pour mettre des pâtes, mais je crois pas que j'aurai le temps. J'ai mis au four le poisson pané et là, j'ai démarré une casserole d'eau pour faire des œufs durs pour ce soir. Voilà, pour après mon entraînement, pour mon apport en protéines. Voilà, pour ce soir, faire des œufs durs. Ok. Donc là, il me reste 20 minutes de cuisine et je file chercher Alessio à l'école. Et ensuite, je le fais manger, on mange. Et après, quand je le mets à la sieste, j'irai à la douche. Voilà, tout simplement.
parce que je commence à avoir la mâchoire engourdie et bientôt je pourrai plus parler. Mes mots ne seront plus cohérents. J'ai peur, j'aime pas ces sensations-là. J'en ai fait une il y a 3 mois et là, c'est hormonal. Je vais avoir mes trucs et je sais que c'est à cause de ça. Je galère là, je galère. Cette putain de migraine ophtalmique me fait les mêmes symptômes. Symptômes, voilà, ça commence la parole. Me fait les mêmes symptômes qu'un AVC. Et c'est pour ça que dès que je commence à avoir une migraine ophtalmique, j'ai peur, je flippe comme tout. Là, j'ai tout de suite pris le médicament pour essayer de dilater les veines de nouveau, tu vois, pour que ça passe le plus rapidement possible. Mais c'est une galère, c'est trop dur, c'est trop difficile cette migraine. J'en peux plus, putain. J'espère qu'elle va pas évoluer et que je vais arriver à dormir tout de suite et que ça va se calmer. Parce que si ça évolue, j'ai un gros mal de tête et je vomis. Mais la sensation est trop désagréable. Je sens plus les bras, je sens plus, j'ai que des fourmis dans le visage. Ça commence dans le visage. C'est horrible. Je sens plus ma bouche, je sens plus mon nez. Je sens plus mon côté gauche. J'ai peur. Même si je suis habituée à ces migraines, elles sont quand même à chaque fois très impressionnantes pour moi. Horrible, horrible ces sensations-là, ça fait trop peur, c'est trop intense. Bon, alors aujourd'hui, je me suis quand même pas mal reposée. J'ai fait une petite vidéo sur une recette courgette que j'ai fait avec... sur une recette courgette. Donc ceux qui ne le savent pas, je me suis lancé un défi et pour l'instant, je fais une fois par semaine, je demande à ChatGPT de choisir un légume pour moi sur Snap. Et quand il choisit le légume, je dois faire une petite recette avec ce légume. Et ça permet que je puisse cuisiner quoi en fait des légumes. Ça me motive d'avoir une base de quelque chose et pas choisir moi. Je préfère vivre en défi, cuisiner en défi. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez. J'ai toujours besoin de je sais pas, de guidance, de... Je sais pas, je suis bien comme ça. Donc... aujourd'hui, je me suis reposée parce que hier, j'ai fait, donc, comme vous l'avez vu, j'ai fait une migraine ophtalmique. Et en regardant de nouveau la story que j'ai mise sur Insta hier et en voyant une photo que j'avais prise de moi dans la voiture, je me suis rendu compte que j'avais le côté gauche, bon là, c'est inversé, donc le côté gauche qui était légèrement déformé. Donc la paralysie faciale commençait à venir, donc la migraine ophtalmique puissante était déjà en train de vouloir sortir. Donc j'avais continué ma journée comme si de rien n'était, et le soir après le sport, j'ai eu cette grosse crise de migraine où j'étais paralysée de tout le côté gauche. Donc aujourd'hui, en voyant cette photo, j'ai pris rendez-vous chez mon médecin en ligne, et il m'a dit de passer la semaine prochaine parce qu'il a quelques examens à me faire. Et on va sûrement aller voir pour faire une consultation chez le neurologue. Voilà, parce que ces migraines-là deviennent hyper intenses. Donc j'espère que c'est pas à cause du sport que j'ai ça. C'est ma tension artérielle et tout, mais on verra. Je peux rien dire, pas me prononcer, parce que le sport c'est bon pour la santé, mais il faut pas que j'y aille très intense. Moi je voulais juste faire en plus de la muscu et une sèche. Pour l'instant, c'est pas possible, le médecin me recommande pas, il me recommande juste de faire du sport de confort pour bouger un petit peu, décrasser, mais pas commencer fort, quoi. Donc je verrai avec lui tout ça la semaine prochaine pour vous donner plus d'infos. Mais on a hésité entre migraine ophtalmique, AVC, c'est pas parce que, comme clairement il m'a dit, un AVC, ça s'améliore pas. Une migraine ophtalmique, c'est les mêmes symptômes qu'un AVC. Je lui ai dit ouais, mais comment reconnaître? En fait, il m'a dit on reconnaît pas. Le seul truc, c'est qu'un AVC, ça passe pas, ça empire. Et la migraine ophtalmique, au bout de 2 heures, ça passe. Mais 2 heures, c'est long en fait. Donc
Voilà, je suis sujette à ça depuis l'âge de 12 ans et c'est un petit peu handicapant, ça revient quoi, ça revient, ça s'était calmé. Et depuis que je suis stressée là, avec la vie que j'ai en ce moment, cette vie stressante là que j'ai en ce moment, ça revient beaucoup plus souvent de nouveau. Donc il veut me prescrire des médicaments pour la tension. Donc je sais pas, je verrai, je sais pas trop. Quoi dire, quoi faire, je vais aller chez le neurologue, je vais faire tout ce qu'il faut, mais ça m'a beaucoup fait peur en fait. Cette migraine, elle était très très forte. En fait, j'en fais des moins fortes, j'en fais des fortes. Quand c'est des très puissantes, ben je vomis et je tombe dans les pommes, et après ça va mieux. Mais là, elle était. Ouais, j'étais à deux doigts de vomir quoi en fait. Sinon, ben il fallait que je me repose aujourd'hui. Je me suis douchée, j'ai pris le temps de me laver et tout, ça fait du bien. Et je me sens un peu, c'est bizarre, c'est patraque quand t'as une migraine en fait. Et il m'a expliqué le médecin, c'est le vaisseau en fait qui est très serré et qui laisse pas beaucoup passer de sang. Et c'est pour ça que ça fait les mêmes effets qu'un AVC. Et on a pensé aussi à un AIT, parce que l'AIT, ça part pareil, ça part au bout d'un moment, comme la migraine ophtalmique, mais du coup, l'AVC, ça part pas. Maintenant, j'aurais pu avoir un caillot et penser que c'est une migraine ophtalmique, j'aurais pas été prise en charge, ben, je serais morte dans mon sommeil, parce qu'en fait, j'ai pris un efferalgan, et le truc, quand j'ai une migraine ophtalmique, il faut que je dorme, que je me mette dans le noir. Et si c'est un AVC, ben, je meurs dans mon sommeil, et puis voilà, on n'en parle plus, quoi. Donc, je sais jamais. Si c'est un AVC ou une migraine ophtalmique. Moi qui ai l'habitude d'avoir des migraines ophtalmiques, je me dis tout le temps, c'est une migraine, je connais les symptômes, mais vu que c'est les mêmes qu'un AVC, et ben un jour, ben je vais faire un vrai AVC et pas m'en rendre compte en fait, pensant que c'est juste une migraine ophtalmique et que ça passera. Et en fait, ça passera pas et je serai morte là comme une conne, sans dire au revoir à personne. Ça me fait de la peine, mais voilà. Donc il faut que je prenne ça au sérieux et que j'aille me faire soigner, quoi, en fait. On verra. Voilà. Donc oui, je vous ai pas dit, je vous laisse la photo que j'ai prise de moi hier, où je me suis rendu compte que finalement j'étais toute boursouflée, toute bouffie, beaucoup plus que d'habitude. Et vraiment, vous voyez le léger côté gauche s'affaisser. Vous verrez. Voilà. Et j'ai eu peur. Bon, le soir, je suis quand même allée au sport et j'ai fait des choses légères, comme vous pouvez le voir. J'ai vraiment travaillé doucement et voilà, ça m'a fait du bien quand même. Alors là, je suis au Leclerc, je suis en train de faire un petit tour et je suis au rayon livre. Et pour les enfants, il y a des trucs super. Il y a 2 semaines, j'ai déjà acheté les gommettes comme ça et on en fait tout le temps. C'est vachement chouette. Et là, j'ai trouvé les peintures magiques. Donc, il y a juste à remplir d'eau. Et en fait, les couleurs se mettent tout seul quand l'enfant va colorier sur le carnet. Voilà, donc c'est super intéressant. Donc, on a les pompiers, on a la ferme, on a avec les dinosaures, on a des petites licornes. Et voilà, c'est tout comme choix, mais c'est déjà très très bien. Donc voilà, quand il colorie avec le feutre rempli d'eau, les couleurs apparaissent. C'est vraiment chouette pour pas se salir. Donc moi là, je vais leur prendre dinosaures, je pense. Et je vais leur prendre les dessins pompiers, peut-être. Ou alors la ferme, je sais pas. Ouais, les pompiers. Et au passage, je suis passée dans ce rayon au Leclerc et j'aimerais trop ce blender. Il est trop bien, tellement puissant. J'en aurais trop besoin pour mes soupes ou mes smoothies ou les jus de fruits que je veux faire. Comme c'est bientôt mon anniversaire, voilà quoi. On est sur un poulet caramélisé au miel. Ça va être délicieux pour ce soir. Un, deux, trois. Allez, un, deux. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aïe,
c'est mes trois séries avec toi. C'est pas fermé qu'il y avait un chien. Et son nom était Bingo. B-I-N-G-O. B-I-N-G-O. Et son nom était Bingo. Je suis le robot Jenino. Je suis le robot Jenino. Coucou à tous. Alors là, ce soir, j'étais au sport et j'ai tout d'abord fait un entraînement. Donc j'ai fait des séries de 12 répétitions fois 4. Ensuite, j'ai travaillé mes abdos. Donc j'ai soulevé progressivement. D'abord, j'ai commencé par 20 kg, une série de 12. Puis j'ai fait les 3 dernières séries à 40 kg avec de l'isométrie. Donc c'est-à-dire j'ai bloqué avant la fin quelques secondes. Et voilà, on monte doucement, on bloque et on redescend sans poser. Ensuite, j'ai décidé de faire un gainage de 40 secondes. Donc bon, là je ne vous ai pas mis les 40 secondes, je vous épargne ça, mais j'ai fait 40 secondes de gainage. Ensuite, j'ai décidé de faire des exercices grand fessier. Donc j'ai fait 4 répétitions de 15 et tout en travaillant l'isométrie, c'est-à-dire je presse, puis en redescendant, je descends sur un temps très lent. Voilà, je ne redescends pas d'un coup. Je monte, puis je redescends sur un temps un peu plus lentement. Donc 4 répétitions de 4 exercices de 15 répétitions avec une pause de 40 secondes à chaque fois et j'ai mis 40 kg de poids. Voilà. Et ensuite, j'ai terminé donc je commence par la muscu et ensuite le cardio. Donc j'ai fait 10 minutes de vélo elliptique. Ensuite j'ai fait 10 minutes de rameur intense. Et j'ai fait ensuite 10 minutes de marche à 5 km/h en inclinaison 10%. Voilà. Donc ah oui, 4,8 km/h en inclinaison 10%. Donc c'est cool. On dirait que j'ai fait une petite randonnée pendant, pendant 10 minutes. J'ai bien transpiré et ça m'a fait du bien et j'ai bu mon shaker. Là, je suis en train d'installer ma table de massage, parce que j'ai un massage ce matin. Et Léo qui me dit, moi aussi massage, moi aussi massage. Là, mets ta tête là dans le trou. Mets ta tête, voilà. C'est pas le loup, chérie, c'est la musique. Il n'y a pas de loup. Voilà, donc là, j'ai cherché mon Lélé à la crèche et on est allé à Decathlon tous les deux et on a pris ce qu'il fallait. Donc, j'ai pris des acides aminés. Voilà. J'ai pris la protéine whey pour le gonflement des muscles. J'ai pris un petit paquet, là, hein, 500 grammes pour commencer. Ça fait... 16 checkers et j'ai pris une petite boisson comme ça isotonique, voilà, avec les vitamines B6 etc. Voilà, j'ai juste pris ça, c'est très bien, ça suffit. Et c'est là que se termine mon vlog et on se retrouve très vite pour un nouveau vlog plein d'astuces. Voilà. Gros bisous, à bientôt, ciao.